La division 14 se signale le sud-ouest de la France. 14, India Hotel Jaffry, la ville de Bordeaux en stand-by. Juste derrière, il y avait le Canada qui passait. Oui, attention le Québec-Canada. Attention le Québec-Canada pour 14 Kilo Mike 3301 opérateur Rémi qui vous appelle. Ok Étienne, les bonnes 113-51 à vous, voilà 14 Kilo Mike 3301 Rémi. QRZ local sur la Gironde, Dandy 33, voilà, qui vous appelle, enfin, qui vous appelle depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde, pas très loin de Saint-Émilion, avec aujourd'hui un beau soleil de notre côté. Et je bafouille. Voilà, c'est en train de partir, la propagation est très sporadique, très furtive, hachis. Là, je vous ai un petit peu la perdu, là, sur la fin. Les conditions de trafic, là, de mon côté, ben, c'est un Yazoo FT450 avec une antenne Mantova 8, qui est pas très haute, seulement à 9 mètres de hauteur. Ok, j'ai énormément de mal à vous sortir, hein. C'est très très compliqué de mon côté. Ok, les 73-51 à vous, merci d'avoir répondu. Bon QVSO, bon contact de votre côté, car il y a des stations d'un peu partout en France qui vont vous sauter dessus. Hachi, bon Noël, bonne fête. Merci, bye bye. Oui, la station 73. Ok, Michel, comment vas-tu? Au fait, on est sur la fréquence du Québec. Propose-moi une autre fréquence. Non, mais j'ai pas trop le temps de prendre la sucette. J'ai entendu le Québec, mais j'ai un million de choses à faire. J'ai pas le temps de prendre la sucette pour Ok, ça marche. Merci pour le petit coucou. Tout ça retourné. Bonne fête. À la prochaine. Merci, toi aussi. Donc voilà. La division 14 se signale le sud-ouest de la France. 14 India Hotel. L'opérateur Jackie, la ville de Bordeaux en stand-by. Alors, il est 16h à peine, donc contact 15h55. Oh, là, je suis des copains de ce côté-ci. Je ne sais pas si ça va passer. C'est le groupe des Tanans, hein, pour ceux qui sont sur Facebook. CQDX, appel de 14 Kilo Mike 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France.
CQ, CQ, CQDX. Appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest France. C'est un peu compliqué. Je me suis amusé à mettre un micro préampli. Apparemment, il m'a rien dit de spécial, donc ça doit être bon. Et le branchement, ben, c'est RJ45, petit adaptateur avec du câble réseau et fiche 4 broches derrière. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel sur le, pour le, depuis le sud-ouest de France. Ah, je bafouille. C'est le moment. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France, secteur Saint-Émilion. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel en fixe depuis le sud-ouest France du côté de Saint-Émilion. Bon, d'accord. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en fixe depuis le sud-ouest de France, QTH Saint-Émilion. Comme quoi, même du côté des 40 canaux, bon évidemment j'ai rien compris à ce qu'ils m'ont dit. Hein. Mais on peut faire aussi du DX de ce côté-là. Il est 6h05 maintenant, Michigan.
place. Vous avez vu de ce côté-ci, c'est en Lima, Sierra Bravo. Hein. Alors voilà, le Québec. Et il passe très vite sur les stations. Ça se comprend. Hein. On ne fait que de les avoir à nouveau. Donc, c'est la frénésie. Hein. C'est l'effet de frénésie qu'il y a. Là. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a moins d'activité de ce côté-ci qu'en bas. Curieux, ça. Attends, pour vérifier ça. Oh putain, ça s'entend déjà. Ah ouais. Pourquoi monter en sup alors qu'il y a plus d'activité du côté des 40 canaux normaux? Canada. Canada. Voilà, le Canada passe. Et là, ben, ah. C'est plus timide. C'est curieux, ça. CQ des X, appel de 14 km, 33 01, opérateur Rémi, Dandy 33 lance appel en direction du Québec-Canada, depuis le sud-ouest France. Alors, je ne sais pas s'il est au boulot ou sur la route. Et j'essaie d'avoir 9 Bravo Charlie 555, Gilles.
Bon, c'est pas gagné. Il est peut-être déjà au boulot. Ouais. Vu l'accent, c'est le Québec. C'est trop QRP là. Ouais, je veux dire, vu l'accent, ça je reconnais. Ah, c'était rapide, hein, le passage du Canada. Pourtant, là, ça passe. Là, ça passe plein pot. Enfin, je veux dire, il y a du monde. Et un peu plus haut, putain, oui, il est bien monté, lui. Et un peu plus haut que dalle. Alors ça, c'est un comble. Tiens, voyons un peu du côté du canal 6. Tout à l'heure, c'était un peu la foire dessus. Ouais, là, c'est moyen. Tarzan. Et j'ai entendu Tarzan dans le lointain. Bon, il y a un peu de tout. Hein. Oh. Et 73-51, les USA du sud-ouest France. Putain, pour qu'ils m'entendent dans leur cacophonie là-bas, il faudrait des kilowatts et des kilowatts. Juste de quoi faire fondre l'antenne.
Voilà, vu l'heure. Ouais, j'ai un copain, il n'a pas dû débaucher encore. Donc je ne l'aurai pas sur le 19. Ok. Là, il y a du monde. Attention le Québec-Canada, attention le Québec-Canada pour 14 km 3301 Rémi qui propose un QSY sur le 27545. CQO, CQDX, appel en direction du Québec-Canada de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest France du côté de Saint-Émilion. Tango Charlie 370 et 73 51 à vous de 14 km 3301 sur le sud-ouest France, le département de la Gironde, pas très loin de Saint-Émilion. Ah, apparemment, je vous ai perdu, ou c'est vous qui m'avez perdu, oui. La propague est très sporadique aujourd'hui, c'est très très compliqué. Oui, Étienne, et 73-51 à vous, là, de Rémi. Voilà, sur le sud-ouest France. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, là, aujourd'hui, pour attraper le Québec. Ça passe par petits bouts. Selon Berlin et le QTH, 50 km au sud de la ville de Bordeaux. Ah, d'accord. Tout petit village de 150 habitants. Et celle est 73, Étienne. Ah, d'accord, super. Ok pour l'Ontario, ben écoute, je t'écoute bien ici, il n'y a pas de souci, je te reçois très 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 bien. Bon, je te demande pas le WX parce qu'il ne doit pas faire très très chaud, je suppose. Quoique, on ne sait pas, puisque j'ai un copain qui est sur Québec-Canada, qui un jour il a moins de 10 et le lendemain il est au-dessus de 0. Voilà, ici c'est, pour nous on a 13 degrés. Hein. 13 degrés positifs et bon, le temps mitigé. Un temps d'hiver, voilà. Écoute, Étienne, je te repasse le micro. Oh, il est sur directive. Quoique, pour passer comme ça chez moi. Ah oui, ah, mais ça c'est l'hiver, oui, c'est normal. Oui, mais l'avantage que vous avez sur nous, c'est qu'il fait froid, mais le temps est sec. Le temps est sec, donc c'est beaucoup mieux que nous, humide comme on l'a, avec un temps très humide. Je vais te poser une question, Étienne, est-ce que tu es chasseur? Oui, je suis chasseur, je chasse pour le renou, je chasse pour le chevreuil, je chasse pas mal pour le futur, mon copain. Je savais, parce que l'Ontario, c'est bien giboyeux, avec tout le gibier qu'il y a. Hein. Ouais. Après, un gibier à plume, non, pas de gibier à plume, je passe pas trop. Hein. Pas trop, à part les oies, je ne sais pas, mais encore si le passe chez toi. Hein. Mais caribou et tout ça, oui. Mais je sais pour le caribou. On n'a pas de caribou dans l'Ontario, il y a juste des caribou dans le nord de Québec. Dans le nord de Québec, il y a des caribou, mais dans l'Ontario, il n'y a pas de caribou. Ah, d'accord. Ah, oui, ils n'ont pas, ils traversent pas là. D'accord. Bon, ben, oui, je saurais quelque chose. Et les oies de passage, les oies canadiennes, est-ce qu'il y a pas chez vous? Ah, non, mais c'est les oies de sauvage.
des oies sauvages qui ont mis dans le but de l'Ontario, les oies sauvages acadiennes. Ouais, et le parc, ils ont des mois où le parc, dans l'automne, tout ça, ça, c'est des grands vols qui passent où le chasse passe. Non, je ne fais pas la chasse des oies sauvages, mais il y a beaucoup de daims sauvages. Alors, beaucoup de daims sauvages. Ah oui, là, ça vaut le coup de fusil, la bête. Oui, je regarde ça à la télévision, parce que je suis abonné à chasse passion et pêche, et je regarde la chasse au Canada, ou même avec les appos, et les appelants en plastique, et puis ils attendent de poster, ils ramagent un petit peu avec des appos pour chanter, et ils mettent des appelants en plastique, et là, elles viennent, mais elles sont très difficiles à chasser. On voit des 25 à 50 par groupe. 25 à 50 par groupe, des fois, c'est ça. Nom de chien quand même, ah non, j'ai pas vu ça, tu vois, en télévision, je n'ai pas vu ça, c'est souvent un mâle ou une femelle, mais tu vois, pas plusieurs, hein. Ok, les oies, oui, les oies, c'est des chargements d'oies, hein. Chargements d'oies. Je vais te retenir trop longtemps, je vais te laisser faire des cuissons, merci des cuissons, on en reparlera. Prochainement, Étienne, les bonnes amitiés. Alors, Hôtel Delta 133, Bernard, il te souhaite un bon Noël ou quand on ne s'en rentrerait pas. Et bonjour à toute la famille, Étienne, à toi. Oui, Bernard, oui, vous souhaite de bonnes années. Un joyeux Noël, la part de neuf, Tango, Charlie, 0. Ça passe, Étienne. Merci beaucoup, à la prochaine. Ok, merci à toi, Étienne. Ciao, ciao, merci. Eh bien, visiblement, le Québec était plus de votre côté la station que du mien. Parce que c'est vrai qu'il avait visiblement du mal à m'entendre. Bon, ben d'accord. Si, si, ça passe toujours aussi bien. T'es New York. T'es Canada. Alors il y a aussi T là aussi. CQDX, appel de 14 km 3301 Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest France, département de la Gironde. Il y a moins de monde de ce côté, sur celle-là, sur cette fréquence d'appel-là, parce que là aussi c'est une fréquence d'appel. Ah, il entend un peu partout apparemment.